Bienvenue sur ma chaîne Descartes pour le dire. Alors aujourd'hui, je vais faire un mini album avec toute la collection. Enfin, je vais essayer d'utiliser que la collection, donc papier, tampons, les framelits, alors quelques rubans, et puis voilà, tout ce qui fait partie de la collection Painted Poppies de Stampin' Up. Donc pour ceci, je vais prendre à chaque fois pour mon album un fond blanc. Et puis je vais faire des tons rouges, puisque ce sont des coquelicots. Donc je vais utiliser les papiers design qui vont avec la collection. Et puis je vais utiliser aussi ces trois rubans. Donc il y a le ruban un peu toile de jute, le ruban rouge et le blanc, le ruban blanc qui fait un peu froissé. Alors, pour le réaliser, il va vous falloir une cartonnette. Donc, celle-ci n'est pas bien épaisse, elle fait environ 2 mm. Donc, une cartonnette de 16 cm x 7 cm et demi pour le devant. Une de 16 cm x 3 cm pour la tranche. Et une de 16 cm x 11 cm pour le dos. Et ensuite, j'ai pris un papier auto qui fait tissu auto-adhésif, Crélando, avec des petites fleurs rouges que j'avais ici chez moi en stock qui pourraient très bien aller avec le thème coquelicot. Alors je laisse, donc j'ai mis mon papier sur l'envers, là, mon auto-adhésif. Je laisse environ 1,5 cm, bon comme ça, hein, à vue d'œil, tout autour. Donc je trace un trait. Pouvoir le couper après. Voilà, lorsque j'ai tracé les traits, donc il me reste à prendre une paire de ciseaux et à découper sur mon trait. C'était juste pour tenir parce que ça roule. Voilà, et vous procéderez de la même façon aussi pour le dos. Donc ça c'est le devant. Et vous faites à la même chose pour le dos, donc toujours en laissant 1,5 cm de chaque côté. Et ensuite, vous découpez. Alors, pour réaliser la couverture d'album, donc j'ai fait, comme je vous ai dit, là j'ai recouvert avec le papier adhésif les fleurs, avec les fleurs. Par contre, pour celui du milieu, j'ai utilisé un autre papier pour faire le contraste un peu avec... avec la tranche. Voilà. Donc ici, ce papier du milieu, j'ai pris un autre tissu adhésif que j'avais uni. Il fait 6 cm sur 18. Donc ensuite, j'ai recouvert mes deux, le devant et le dos. Et j'ai ouvert, donc c'est comme c'est adhésif, hein, ça colle. J'ai mis bien au milieu ma tranche de 3 cm sur 16. J'ai laissé espacer à peu près 3 mm et je suis venue ici coller le devant et le derrière. Donc bien sûr, vous collez bien l'arrière parce qu'après ici, ça va être recouvert. Voilà. Donc ensuite, je plie ici pour coller le haut et ici pour coller le bas. Voilà, donc il faut bien appuyer pour pas qu'il y ait des petites bulles. Donc vous obtenez ceci. Donc ici, vous voyez, là, c'est le devant. En fait, le devant, là, sera plus court que le derrière. Voilà, pour pouvoir mettre des coquelicots, vous verrez après. Voilà, donc ici, pour l'intérieur de mon album, là, j'avais des petits rouleaux. Donc c'est fait comme c'est déjà comme ça tout fait. Donc moi les biens ici ils faisaient 3 cm. Donc j'en ai coupé deux bandes comme ceci.
Donc c'est des petits, c'est des rouleaux, ça fait un peu lin. Voilà, je l'avais déjà utilisé. J'utilise beaucoup ça à l'intérieur pour, bah, on va dire pour que ce soit impeccable, que le fini soit impeccable. Donc je vais en mettre une ici et une ici pour bien couvrir l'intérieur. Voilà, et ça donne ceci une fois que j'ai collé l'intérieur. En fait, c'est un tissu, hein, un tissu collant. Donc ensuite, je vais découper un morceau de cardstock, de carton uni, rouge, un beau rouge, pour faire l'intérieur du dos. Donc les mensurations de ce papier rouge, 10,3 x 16. Voilà, donc ici, vous prenez votre massicot. Donc là, je suis à 16, 10,3, pardon. Et ici, ça, c'est juste là. Voilà, ce morceau, je vais venir le coller ici. Donc, il faut bien que ça se plie bien au bord. Voilà. Et on se voit pour la suite. Donc là, je m'apprête à coller mon petit morceau rouge pour l'intérieur du dos de mon album. Donc je le place correctement. Et à l'aide d'un petit chiffon, j'appuie. Voilà, et maintenant je vais mesurer ce qu'il me faut comme autre papier rouge pour le devant. Donc ça se plie là. Donc en fait, je pose. Donc il fera fatalement 16 cm pour le haut. Voilà, et je vais l'arrêter à peu près ici. Je l'ajuste un petit millimètre. Donc en fait, ce deuxième papier va faire 16 cm sur 7,3. Donc ensuite, je le coupe. Donc mes 16 cm, c'est ici. Sur 7,3, j'ai ma petite marque. Voilà, donc pareil, je le colle. Alors ensuite, nous allons réaliser les trois feuillets qui vont se trouver à l'intérieur de l'album, donc qui vont venir ici. Donc vous prenez pour commencer donc une première feuille blanche de 16 cm sur 27 cm. Vous allez plier à 10, puis à 20. Ensuite, vous allez couper ici, vous allez prendre la moitié ici des 16, soit à 8, 8 cm. Vous allez tirer un trait pour la moitié et vous allez plier, couper ici sur le côté et vous allez plier. Puis par la suite, ici, je vais coller juste ici et ici, de façon à ce que quand je vais plier comme ceci, il va y avoir une petite pochette ici pour pouvoir mettre un tag sur le côté. Donc ça, c'est pour mon premier feuillet. Ensuite, le deuxième feuillet, donc c'est 16 cm toujours sur 27. Donc c'est la même, c'est les mêmes dimensions que la première, sauf que donc pareil, on plie à 10, on plie à 20. Et ici, on va pas faire le découpage pour faire la petite pochette, ça vous fait un petit rabat. Donc on le laisse comme ceci. Le petit rabat va rentrer à l'intérieur. Voici le deuxième feuillet. Et le troisième feuillet. Donc cette fois-ci, c'est toujours le même papier. Mais les mesures, c'est 16 cm sur 29,8. Et vous allez plier à 10 et plier à 20. Donc là, vous allez vous retrouver avec trois volets que vous allez plier comme ceci et comme ceci. Ou à l'intérieur, mais bon, je pense que ça passe mieux. Ou ouais, non, à l'intérieur, c'est pas mal. Voilà, donc nous nous trouvons avec trois feuillets. Je vais faire les trous dans la tranche ici.
Donc en fait, j'ai tracé 3 points. Comme la tranche fait 3 cm et qu'il me faut 3 trous, on prend la moitié, donc c'est-à-dire 1,5. Puis à la gauche, on fait à 0,75 à gauche et à 0,75 à droite. Donc là, ça fait que il y a aussi 0,75 de là à là et de là au bord. Donc pour la hauteur, moi j'ai une crocodile. Donc je ne me suis pas embêtée. Je vais prendre carrément toute la hauteur de ma crocodile. Je n'ai pas mesuré. Donc je pousse à fond jusqu'au temps que ça bloque. Au niveau où, voilà, où j'ai fait le petit trait. Ça représente environ 2,5 cm. Et je fais mon premier trou. Je fais la même chose avec mon deuxième trou. Parce que c'est comme ça, il faut déboucher le trou. J'ai fait, je pense, un peu trop gros le trou. J'aurais dû faire l'autre. Bon. Voilà. Comme ça, il va bien se trouver normalement à côté. Et puis le troisième. Et le troisième trou. Ici. Je vais gommer parce que là j'avais fait des petits points de repère. Bon bah. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant j'ai pris une ficelle. Là ici la mienne elle est rouge et blanche. Une petite ficelle de coton. Sinon vous pouvez prendre une ficelle toute blanche. Ce qui va bien, c'est le coton aussi pour crocheter le fil de coton. Ça c'est assez costaud aussi. Bon, moi j'avais ça, j'ai pris ça. Donc on va prendre 3 ficelles identiques. Et on va passer dans les trous. Donc ici, en bas, et puis en haut sur le trou de gauche. Voilà, on prend bien le milieu. Et on va faire la même chose sur les deux autres, dans les deux autres trous. Alors, dans chaque feuillet, j'ai également fait un trou. Bon, là, cette fois-ci, j'ai pris un plus petit trou. C'est plus joli. J'aurais dû prendre aussi un petit trou pour la couverture, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, j'ai pris la même hauteur. Donc, étant donné que j'ai pris la hauteur de ma crocodile, bon ben, je suis sûre, j'ai pas eu besoin de mesurer. Vous, si vous avez mesuré à 2,5 cm ou 2 cm, comme ça dépend, il faut faire exactement la même chose que la couverture. Donc vous, le trou, vous la faites bien ici, après le pli, en haut et en bas. Donc, une fois que j'ai fait les trous, je prends ma ficelle et je passe ma ficelle dans le trou d'en bas. Et après, je prends la ficelle du haut de la même page correspondante et je passe aussi ici, dans le trou d'en haut. Donc je tends bien mon papier. Je fais attention que ce soit bien comme ceci. Et là, je vais faire le premier nœud. Donc là, bien sûr, on tend. Je vais le pousser un peu par là. Bon, tout seul, c'est pas évident, mais on fait 2 nœuds pour que ça tienne bien. Voilà. Et ensuite, je vais couper au ras ici avec un ciseau et je vais faire la même chose pour mes 3 feuillets. On obtient donc ceci avec les 3 fils comme ça derrière. Et quand on ouvre,
on a bien les feuillets, les trois feuillets avec le fil au milieu. Donc à chaque fois, vous veillez bien le faire sur la même page. Ici, moi, je l'ai fait sur la page de droite. 2 et 3. Donc, il va vous rester peut-être des petits bouts de ficelle. Gardez-les. Bon, en scrapbooking, on ne jette rien. On peut toujours faire des petits nœuds pour mettre sur une carte ou peut-être même ici pour décorer cet album. Donc, maintenant, il ne vous restera plus qu'à le décorer à votre convenance. Moi, ici, là, vous allez voir au coin, là, moi, les coins, c'est pas trop mon fort. Donc, je vais mettre 4 coins. Donc, ça s'achète. C'est des coins en métal, ça s'achète aussi dans les rayons de scrapbooking pour faire une plus belle finition pour mes coins. Et ensuite, je vais le décorer donc avec les coquelicots et puis je reviendrai vous voir quand il sera décoré. À bientôt. Alors, j'ai commencé par mettre mes coins. Vous voyez, ce sont des petits coins comme ceci qu'on vient mettre et ensuite j'ai pincé un peu avec la pince pour bien les serrer. Donc comme ça les coins, si vous avez un peu fait comme moi et loupé vos coins, c'est plus joli. Donc il y en a en moi ils sont un peu cuivre, il y en a en couleur argent, voilà, vous avez différents coins. Alors déjà pour commencer, ça se voit vraiment bien même à la caméra. En scrapbooking, quand on fait la décoration, bah des fois on a des petits défauts et on est obligé aussi un peu de décorer pour essayer de rattraper nos petits défauts. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je ne suis vraiment pas droite, c'est vraiment plus petit ici et plus large. Donc pour rattraper ceci, je vais mettre un ruban ici sur le dessus. Cette fois-ci, en essayant bien de le mettre droit pour être bien au même niveau ici et ça va rattraper mon petit souci. Alors pour ce je vais prendre un adhésif double face que je vais venir ici mettre à l'endroit. Alors cette fois-ci il faut bien que je sois droite à l'endroit où je veux mettre mon ruban. Je vais couper, je recouperai après. Je vais bien appuyer, comme c'est du tissu, il faut bien appuyer. Donc je vais couper maintenant le surplus de chaque côté. Ciseaux plus petits. Voilà, donc après j'ai la pellicule à enlever. Voilà, donc il me reste l'adhésif qui est collé et je vais venir avec mon ruban et bien le mettre à l'endroit juste où j'ai mis le double face. Voilà, j'appuie un peu. Je vais couper de chaque côté et voilà, ça me fera une petite décoration supplémentaire, mais au moins on ne voit plus mon erreur ici. J'ai tamponné donc pour ma décoration, j'ai tamponné sur une grande planche blanche plusieurs tampons du set de tampons, donc quelques petits coquelicots, quelques gros. Ensuite ici le petit champ de coquelicots, les deux coquelicots en hauteur et un peu de feuilles. Bon, si j'en ai pas assez, je pourrais en refaire, mais bon, moi là, je peux voir venir. Donc, j'ai tamponné à la Versafine parce qu'après, je vais les colorer, loriser, les colorer avec de l'eau et de l'encre aquarellable. Alors, je voulais vous montrer aussi ici. Donc, j'ai fait sur un petit papier. J'avais des petites étiquettes avec les lettres. Donc, j'ai écrit coquelicot et je le mettrai ici au milieu pour que ça puisse voir coquelicot ici. Voilà. Donc là, j'ai colorié mes coquelicots, tout ce que j'ai tamponné tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai fait un peu façon aquarelle. J'ai laissé exprès du blanc. J'ai appuyé un peu sur mon
parce que ce sont des pinceaux à réserve d'eau. Donc, suivant si on appuie un peu plus fort, on a plus ou moins d'eau. Donc, j'ai essayé de faire comme de appuyer comme ça pour pouvoir faire plusieurs nuances en laissant un peu de blanc. Voilà, pour que ça fasse pas comme un enfant qui colorie avec un feutre. Voilà, c'est plus joli. Et pour les couleurs, j'ai pris les Stampin' Pad Calico Coquelicot et Feuillage Sauvage. Donc en fait, je prends un bloc acrylique comme ceci. Et puis je tamponne avec mon encre. Et ensuite, je viens avec mon pinceau pour prendre plus ou moins d'encre. Et c'est ce qui fait les effets plus ou moins foncés. Par contre, pour faire ceci, il faut bien faire attention, il faut bien utiliser de l'encre. Bon, ici j'ai pris la Versafine, bon, il y en a d'autres qui ne fusent pas avec l'eau. Sinon, si vous prenez une encre qui fuse avec l'eau, ça fait la cata si votre encre noire, si ça fonctionnera pas bien. Alors, j'ai découpé avec la Big Shot après avoir colorié, j'ai découpé mes éléments. Vous voyez donc. Alors, dans la collection avec les coquelicots, alors attention, pour découper ces éléments ici, les petites comme les gros coquelicots, c'est avec les dies poinçons étiquette peinte. Et ensuite, pour découper les feuilles, tout ce qui est les feuilles. Ici, ces feuilles-ci. Donc là, j'ai utilisé les dies, l'autre, les dies saison du coquelicot. Après, vous avez celui-ci. J'ai trouvé ça sympa, donc j'ai voulu essayer. C'était la première fois. C'est ça. En fait, j'ai fait un rond avec un die rond. J'ai fait un rond à la Big Shot. Et ensuite, j'ai mis ceci au milieu. Et je trouve que sur un fond blanc, là, ça peut être sympa. Là, c'est vraiment une belle. Je ne sais pas comment je vais l'insérer dans l'album. Vous allez voir après. Mais je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et dans celui-ci, là, dans Poinçon étiquette peinte, vous avez aussi de quoi faire deux étiquettes. Donc pour celui en hauteur, je l'ai découpé avec l'étiquette. Et vous en avez une grande et une petite. Et d'ailleurs, je n'ai pas essayé celui-ci. Je vais l'essayer aussi. Vous verrez dans les dans l'album ce que ça donne. Parce que ça peut être sympa aussi pour la décoration. Alors, voilà ce que ça donne. Donc ici, juste bon, sur la couverture, j'ai mis deux coquelicots. Et j'ai surélevé un petit peu le plus petit avec des 3D en dessous pour faire un relief. Donc après on ouvre, ici c'est noté coquelicot. J'ai mis cette découpe ici de la Big Shot avec un petit rectangle. C'est écrit Love This, c'était une petite étiquette que j'avais, donc pour mettre une petite photo. Ensuite on ouvre. Donc ici j'ai utilisé le papier design qui va avec la collection. Donc voilà, avec la petite photo ici. Sur la petite pochette rabat, donc là j'ai utilisé ma petite étiquette dont je vous parlais tout à l'heure, là avec mon coquelicot tout en hauteur. Et ici j'ai collé cette petite étiquette là aussi, Smell the Flower. Là j'ai tamponné directement la fleur du set de tampons, donc directement sur mon fond d'album. Ensuite, j'ai colorié avec des feutres et ensuite avec un peu d'aquarelle pour que ce soit un peu plus clair et plus foncé. J'ai collé une découpe de feuilles et ici j'ai mis mon fameux rond dont je vous parlais tout à l'heure, sauf que je l'ai collé que en bas. J'ai fait un petit carnet pour mettre des petites photos en long. J'ai utilisé encore la ficelle qui me restait de tout à l'heure. J'ai fait un trou, j'ai accroché pour faire un petit carnet et ça va venir s'insérer ici. Voilà.
Voilà, alors je viens juste de terminer. Donc voici, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, là la première page, bon ça n'a pas changé. Ici j'ai fait un trou sur la page de couverture et un trou de l'autre côté. J'ai mis un œillet et comme cela j'ai pu mettre le ruban. Donc le ruban froissé, blanc. Voilà, donc quand on ouvre ici, donc j'ai juste rajouté un petit coca-cola, ça je vous ai déjà montré tout à l'heure. Ensuite, on ouvre comme ceci et comme ceci, avec le tag. Ici, donc je vous ai expliqué aussi, hein, j'ai le petit cardé où on pourra mettre des photos. Ici, j'ai voulu changer un peu, donc j'ai pris, c'est toujours les mêmes papiers, un hein, papier design de la même collection Coquelicot, mais ce sont les dos. Donc là, j'ai remis un petit coquelicot avec une feuille. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le die que je devais essayer. Vous voyez, c'est sympa. Donc ça peut faire une étiquette au milieu. Donc moi, j'ai écrit Love avec toujours mes petits, les mêmes, le même genre que j'avais fait là. Donc ici, on ouvre comme ceci. J'ai écrit famille. Et là, ça faisait partie aussi de la collection. C'est des coquelicots en papier velin. Voilà, donc on ferme comme cela. Ici, coquelicots bon, que j'avais découpé tout à l'heure là. Ici, donc sur la page, j'ai voulu mettre un peu plus de rouge. On met des photos ici, ici. Et là, donc vous avez, j'ai deux pages de vert avec des feuilles que j'ai collées juste le bas. Et j'ai fait un rond dans le dos. Ça, c'est le dos de ce papier-ci. Voilà. Et ici, j'ai juste mis une bande et on mettra une ou deux photos ici. J'ai terminé par... Il m'en restait deux, donc je les ai mis là. Et voilà. Eh bien, voyez, mon petit album, il m'a pris, on va dire, 2 ou 3 heures. Donc, voyez, ça peut être rapide. Ça peut être un beau cadeau à faire pour une personne, pour une fête des mamans ou même pour vous, hein. Ils mettent peut-être les fleurs dans votre jardin ou des photos de votre famille, enfin ce que vous voulez. Voilà, enfin moi j'ai bien aimé cette reliure couture. Bon, le seul défaut que j'ai fait là, faites pas comme moi, faites pas des si gros trous là, c'est pas beau, c'est trop gros. Faut faire les plus petits trous. Mais ouais, voilà, je trouve que c'est pas mal comme reliure. C'est la première fois que j'essaye. Bon, bah, voilà, c'est peut-être pas parfait, mais bon, il faut toujours une première fois. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ma chaîne. Et puis, je vous invite à venir. De temps en temps venir voir ce que je fais, mettre un petit pouce et puis et il me reste juste à vous remercier d'être passé sur ma chaîne. Des cartes pour le dire. À bientôt. Au revoir.